Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message angélique et bien de ce jeudi 7 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, la petite philosophie du matin est éviter les dépenses excessives. L'argent jeté par les fenêtres, les découverts, les crédits, c'est une spirale sans fin. La dépendance excessive à l'argent est une aliénation et une source d'angoisse. En restreignant ses besoins, on se libère. Vivre plus humblement, eh bien, c'est vivre libre. Voilà la philosophie de ce matin. Aujourd'hui, j'ai pigé l'ange gardien. Eh bien oui, cette carte te dit que ton ange gardien est bien présent à tes côtés. Il est bien là. Il est la réponse directe de sa présence. Tu sais, si tu n'y crois pas, même si tu n'y crois pas, eh bien, tu es accompagné et aimé en tout temps par ton ange personnel depuis bien avant ta naissance dans ton corps physique. Pour celles et celui et ceux, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que nous avons 3 anges d'incarnation. Nous avons notre ange physique, qui est familièrement notre ange gardien, notre ange émotionnel et notre ange intellectuel. Eh bien ici, ton ange gardien est présent, que tu en sois conscient ou non, n'est-ce pas? Et il te guide et t'inspire constamment. Alors peu importe les tâches, les événements ou les circonstances de ta vie, ton ange personnel sert de point d'ancrage et permet de diriger vers toi les circonstances favorables et les personnes parfaites pour te guider et t'aider à poursuivre, eh bien, ton plan d'âme dans l'amour et la félicité. Par des visions, il peut aussi te montrer des événements futurs pour te préparer à les vivre. Tu peux recevoir des messages de ton ange gardien en rêve, dans ton sommeil. Tu peux recevoir des messages de ton ange gardien si tu lui demandes, si tu lui poses des questions, si tu lui demandes, eh bien, de t'éclairer sur telle ou telle situation. Demander si c'est bon pour toi de faire telle chose. Si tu ne le sollicites pas, eh bien, il ne viendra pas à toi. Mais il est présent, il est à tes côtés. Donc, je t'invite à le solliciter. Essaye de développer une relation étroite, riche et précieuse avec lui. Établis, pourquoi pas, un dialogue avec lui. Tu sais, tu peux lui parler à voix haute ou dans le silence de ton cœur, il t'entend et il ne demande que ça, de t'aider. Alors aujourd'hui, eh bien, ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à sa bienveillance et à sa lumière et accueille. Accueille son amour infini en toi, parce qu'il a un amour infini, vraiment. Et demande-lui de t'éclairer pour telle ou telle chose, que ça soit ton ange
physique ou ton ange émotionnel ou ton ange intellectuel, que si tu peux le solliciter, tu peux solliciter ton ange émotionnel pour t'aider à être moins dans les émotions, avoir un peu plus de distance par rapport à certaines situations. Maintenant, tu peux aussi solliciter ton ange intellectuel pour voir s'il est bon pour toi de faire telle ou telle chose, que ça soit au point de vue professionnel, par exemple. Waouh, quel beau message encore une fois, n'est-ce pas? Allez, je termine avec l'affirmation positive. Eh bien, aujourd'hui, je m'aime, je m'accepte, je crois en moi. Je m'aime, je m'accepte, je crois en moi. Je m'aime, je m'accepte, je crois en moi. Je vous souhaite, eh bien, une excellente journée. On se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.